Salam alaikum, Azul. Bonsoir. Pourquoi les boycotteurs, ces politiciens, ces personnalités de la société civile, qui appellent au boycott actif des prochaines législatives, ont-ils l'impression de prêcher dans le désert? Pourquoi leurs meetings ne drainent-ils pas les foules? Pourquoi ne sont-ils pas relayés par la presse? Pourquoi ne parvient-il pas à susciter cette très large adhésion qu'ils préconisent, qu'ils appellent de leur vœu? Oui, pourquoi? Et ces questions sont d'autant plus légitimes que tous les observateurs, y compris ceux proches du régime, prédisent la plus forte abstention jamais observée dans le pays depuis son indépendance, pour les raisons qui coulent de source et que tout un chacun connaît. Oui, ces questions se posent parce que c'est le contraire qui aurait dû se produire en toute bonne logique. Ces politiciens et ces personnalités de la société civile qui appellent au boycott auraient dû se retrouver tout naturellement à la tête de citoyens comme eux qui refusent de participer à cette farce électorale et qui, eux aussi, affichent ouvertement leur volonté de ne pas voter, non pas en s'en abstenant de façon passive, indifférente, mais en militant de mille et une façons pour convaincre leurs concitoyens de ne pas servir de troupeau à voter. Dans une consultation où les résultats sont connus avant même qu'elle n'ait lieu. Pourquoi donc cette rencontre entre ces leaders et la grande masse des électeurs qui refusent de voter ne s'est-elle pas produite? Pourquoi la magie ne s'est-elle pas réalisée, y compris dans ces espaces des réseaux sociaux où l'engagement est pourtant très fort? Qu'est-ce qu'il fallait que ces leaders qui appellent au boycott fassent et qui n'ont pas fait? Ou sinon, quelles sont donc ces méthodes du régime qui ont empêcher et qui continue d'empêcher que la jonction se fasse? Nous poserons ces questions à nos invités dont deux sont engagés dans l'appel au boycott. Et nous tenterons de savoir s'ils espèrent pouvoir provoquer une synergie du boycott entre tous ceux qui s'apprêtent à bouder massivement ce scrutin de la fraude annoncé. Aujourd'hui. TSA. L'absence prolongée de Bouteflika impacte les services de l'État. Par Riyad Hamadi. Le Monde. Les Algériens veulent que leur pays se remette à vivre. Par Charlotte Bozoni. Le 360. Algérie. Un consultant décrypte les menaces qui pèsent sur le pays. Par Karim Zidane. Boycotteur, au pluriel un boycotteur, comme un poisson dans l'eau, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir ici sur le plateau Zalani Azdin, juriste et analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invité. Alors, depuis Alger, nous aurons Karim Tabou. Président de l'UDS, merci Karim Tabou d'être des nôtres. Pas encore. Et Salah Debbouze, président du Bureau national de la Ligue algérienne de défense pour les droits de l'homme, que nous remercions aussi d'avoir accepté notre invitation. Esdine Zalani, des personnalités dites des boycotteurs des présidents de partis politiques, des personnalités politiques de tous bords, et des personnalités de la société civile, comme Maître Debbouze, se sont donc réunis à Alger. Il y avait des journalistes avec eux, comme notre confrère Salim Salahi. Et donc, ils sont réunis pour rappeler qu'ils boycotteront activement ces élections, que non seulement ils appellent à l'abstention, qui semble se dessiner d'ores et déjà, mais qu'ils appellent à un boycott actif sur le terrain, en descendant dans la rue s'il le faut, pour essayer de dénoncer cette farce électorale qui est, selon eux, une fraude annoncée. Et vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que lors de la dernière émission, on avait parlé de cette fraude continue, habituelle, qui est devenue finalement institutionnelle. Dernièrement, une personnalité de haut rang,
a reconnu que les élections il y a 20 ans étaient marquées d'une fraude manifeste. La fraude, donc, depuis quasiment toujours, fait partie du fonctionnement institutionnel et du vote. Que quelques personnalités se réunissent pour attirer l'attention donc, de l'opinion publique, moi je considère bien entendu, comme tout Algérien citoyen, que c'est une bonne chose. Malheureusement, je doute fort, comme douteraient beaucoup d'Algériens, sur l'impact réel que ça pourrait faire sur les esprits, compte tenu du blocage médiatique qui règne dans ce pays, et compte tenu aussi du fait que le sifflet ayant retenti, tous les partis, on les appelle comme ça, les partis, n'est-ce pas, de position ou autre, s'agglutinent derrière donc cette participation dont ils savent parfaitement. Même que certains parmi eux, pourtant connus, font excès et assaut de zèle, parce que c'est le moment de la distribution des quotas. C'est-à-dire plus, on se distinguera, on le soutient au régime, en allant jusqu'à parfois dire « oui, c'est le président Bouteflika qui est aux commandes, qu'est-ce que c'est que ces histoires, il n'est pas malade ». Ils font réellement assaut et excès de zèle pour essayer donc d'arracher le plus de sièges possible. Ils devraient dire le contraire, à mon avis. Hein, si c'était, ils avaient une, j'allais dire, un fonctionnement plus institutionnel. Ils auraient pu dire, nous participons, ils ont d'autres raisons, bien entendu. Nous participons parce que l'Algérie va mal, nous participons parce que le président va mal, nous participons parce que les institutions, dans leur ensemble pratiquement, vont mal, et nous participons pour essayer d'apporter quelque chose. Au lieu de tenir un discours inverse, le président de la République ne va pas bien. Ça, c'est l'avis de tout le monde, y compris de ses proches. Maintenant, du point de vue juridique, est-ce que notre président est-il dans un état qui lui permet, selon la Constitution, et pas selon l'avis de tel ou tel proche, quel qu'il soit, qui ne sont pas du tout, leur avis n'est pas reconnu en tant que tel juridiquement. C'est l'avis du Conseil constitutionnel, qui est une institution normalement établie, avec un président et des membres, qui devraient rassurer les Algériens sur l'état de santé de leur président. En demandant l'application de l'article 102. En demandant ou en ne demandant pas. Parce qu'il y a toute une procédure, et au bout de la procédure, le Conseil constitutionnel décidera. Oui, mais qu'est-ce qui empêche le Conseil constitutionnel, justement, de balayer ses doutes dans voilà, le cas où il est tout lui-même à fait assuré que le président va bien, de convoquer l'article 102 pour et que des professeurs en médecine examinent le président et viennent nous dire « Non, rassurez-vous, il est en bonne santé. » Voilà, tout qu'est-ce à fait. Empêche ce de, n'est pas un chef de gouvernement, oui. Ce n'est pas un chef de parti, c'est le Conseil constitutionnel qui a mission donc de veiller à cet aspect-là des choses, selon l'article donc 102 de la Constitution. La mise en marche, la mise en branle de cet article ne veut pas dire nécessairement la vacance, mais tout simplement l'avis. Vérifier l'état de santé, parce que s'il est en mesure de pouvoir assumer ses fonctions. Voilà. Et à ce moment-là, c'est à la charge de ceux qui sont qui ont pour mission donc, de constater réellement, médicalement et autres, etc., l'état de vacances ou de non-vacances, l'état d'aptitude ou non-d'aptitude ou de non-aptitude du président de la République à exercer ses missions. Mais les dés étaient pipés au départ, puisque le président du Conseil constitutionnel, M. Meddelsi, connu pour être un très proche du clan présidentiel, de la fratrie Bouteflika, a été nommé dès le lendemain de l'AVC de M. Bouteflika, pour justement faire barrage à l'application de ces dispositions. Ben, écoutez, sans rentrer dans les détails des accointances personnelles, familiales, régionales et autres, l'état de soumission où sont les institutions le sont, quel qu'il soit, si le gouvernement ou le président actuellement a besoin d'avoir des
personnalité proche, non seulement politiquement, mais proche, j'allais dire, géographiquement, ou au niveau de son, de sa famille ou de ses proches, au niveau de sa région d'origine, ça fragilise encore plus la légitimité. Ça fragilise encore plus la légitimité. Mais au-delà de cela, au-delà, M. Medelsi était un haut fonctionnaire avant même que M. Bouteflika ne soit au gouvernement, et d'autres comme le président du Sénat aussi, qui a fait une très longue carrière sous le CNT, oui. Sous le président Zaouel, et jusqu'à présent. On a d'autres personnalités politiques donc, qui étaient là, M. Ouyahia, par exemple, et qui n'était pas attaché nécessairement. Oui, mais les vents ont tourné et le sérail s'est adapté. Le régime présidentialiste, extrêmement présidentialiste, avec des odeurs de monarchisme, oui. De monarchisme pas éclairé du tout, parce qu'il y a des monarchies très respectables. Absolument. Et très éclairées. Très parlementaires. Et très parlementaire. Alors, la question qui se pose maintenant, parce que en fait, on s'est un petit peu dévié du sujet. Oui, mais sans sujet. Rien, ça apporte de l'éclairage à un ensemble. Parce qu'on le ne président peut pas de la parler République, des élections comme en de France, façon étriquée. Comme en France, le président de la République est la clé des institutions du pays. Oui. Lors de la révision constitutionnelle de 1996 du président Zaouel, les prérogatives du président de la République ont été renforcées par rapport à celles de 1989. Mmh. L'arrivée de M. Bouteflika au pouvoir a renforcé encore plus considérablement les pouvoirs du président de la République, faisant du chef du gouvernement un simple premier des ministres, n'ayant pas de pouvoir réglementaire. Nous allons revenir vers vous dans un petit instant. Nous venons de perdre Karim Tabou qui était avec nous à l'instant, qui vous écoutait. Mais Saleh Dabouz est avec nous. Merci Saleh Dabouz d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors Saleh Dabouz, d'abord une question un peu hors sujet, mais je sais qu'elle vous tient à cœur. Donnez-nous des nouvelles de Kamel Din Fakhar. Kamel Din Fakhar est à son 81e jour de grève de la faim. Je l'ai vu samedi passé. Je dois le voir samedi prochain. Physiquement, il est très faible. Psychologiquement, il est très déçu, atteint. Mais moralement, il est très déterminé. Expliquez-nous, Saleh Dabouz, mais très vite, parce que ce n'est pas l'ordre du jour, mais nous essaierons d'y revenir. Expliquez-nous cette indifférence quasi révoltante de la société algérienne à l'égard de Kamel Din Fakhar après ce qui s'est passé pour Mohamed Tamelt. Et Kamel Din Fakhar est en train de s'engager un peu sur la même voie qui risque donc de le tuer, il risque de mourir. Et c'est l'absence totale et des médias et de la société civile d'une manière générale et de l'opinion publique. Écoutez, je me souviens de Hamidou Yahia quand il avait dit à propos de la grève de la faim de Bourras, il peut mourir. Il dit grève à la roue, il dit grève à la roue. Vous savez, un responsable m'a dit la même chose concernant Kamel Fakhar. Il m'a dit, écoutez, il va mourir s'il continue sa grève de la faim. Ça ne va pas stopper le fonctionnement du pays. C'est clair. Donc vous voyez, je vous assure que quand il m'a dit ça, je ne trouvais plus de mots pour expliquer ce que je dois expliquer. Restez avec nous, Saleh Dabouz. Ouais. Je reviens à vous dans un moment pour revenir au sujet des élections, mais je vous promets que nous essaierons de revenir sur cette affaire Kamel Din Fakhar de façon plus concentrée. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci à Jamal. Merci pour avoir ouvert le débat de l'actualité politique. Merci. Alors, Karim Tabou, donc vous vous êtes réunis, les principaux leaders, personnalités politiques de la société civile qui appellent non pas à l'abstention mais au boycott actif. Et vous avez commis un communiqué très dur où vous dites les choses par leur nom. Essayez d'abord de nous dire ce que vous avez décidé et ce que vous entreprenez de faire dans les jours qui suivent.
Dur, je ne le pense pas. C'est la triste réalité de tous les jours. On a bien constaté, l'opinion publique en est témoin, que les graves dérapages, les attitudes, voire les faits qui ont marqué la constitution des listes pour les législatives ont tout simplement disqualifié cette élection, puisque nous sommes devant une démarche qui n'obéit à aucune norme politique, ni encore moins une norme démocratique. Je pense que la classe politique est mise en demeure aujourd'hui de prendre des décisions, de faire des révisions déchirantes. Et il y a encore de la chance et de la possibilité pour les partis politiques. Devant cette situation, nous avons même sollicité les partis à se retirer de cette mascarade électorale, puisque les dispositifs mis en place vont automatiquement aboutir au maintien des mêmes personnes, du même gouvernement, des mêmes pratiques, avec, comme j'allais dire, instruments sophistiqués de propagande. On donne l'impression à l'opinion publique, nationale et internationale, que cette élection obéit à une logique de transparence, puisque il y a une instance, une haute instance indépendante. Le titre est gros, le titre est frappant. Et puis il y a également, c'est ce que nous avons constaté, nous avons tenté de le mettre en lumière, parce que la politique, c'est aussi des prises de position avec l'histoire. C'est marqué, l'histoire, par des décisions qui vont donc devenir des références politiques demain. Yani, quand on voit le silence de la justice, les graves pratiques qui se sont déroulées au sein même de l'enceinte des wilayas, du ministre de l'Intérieur, au sein de la Commission, atteste bien de cette volonté du pouvoir de se maintenir tout en donnant l'apparence d'une élection normale. Karim Tabou, devant ces scandales innombrables, hein, ils ne se comptent plus, qui émaillent donc cette pré-campagne, devant ce qui s'est passé au FLN, où le propre fils du secrétaire général a été pris la main dans le sac. D'ailleurs, on ne sait même pas qui a lancé l'injonction de perquisitionner dans le propre domicile du secrétaire général du FLN au Club des Pins, qui l'entre même du régime. Devant ces scandales à l'AIS, la haute instance de surveillance des élections, où on a trouvé deux membres de l'instance qui sont candidats aux élections. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Malgré ça, c'est le silence total au sein de la classe politique. Pas un chef de parti n'a bougé une oreille pour dénoncer de façon audible ce qui s'est passé. Et donc, tout le monde continue de se bousculer devant le râtelier pour espérer un quota meilleur. Vous ne trouvez pas ça absolument... Je ne trouve pas mes mots, excusez-moi. Sauf que, si jamais, sur le plan sémantique, je pense qu'on fait un peu de mots qui ne sont pas les nôtres, qui n'existent pas chez nous. Quand on parle de classe politique, y a-t-il une classe politique en Algérie? Y a-t-il une élection qui obéit aux normes d'une élection en Algérie? On est toujours dans des logiques de cooptation, on est dans des logiques d'attribution de sièges, et que finalement l'Algérie, c'est cette république qui a exclu le public. Et les partis politiques, bien sûr. Notre, justement, décision de nous démarquer, mais surtout de donner des éclairages sur la situation, c'est le contexte politique qui l'exige. Le seul mérite de cette élection, c'est probablement une élection qui va opérer des décomptations claires, et puis les choses vont se clarifier. Nous sommes devant une classe politique qui a renoncé à ses missions les plus élémentaires de travail pour l'opinion publique, au sein de l'opinion publique. Nous avons une classe politique qui a fini, qui a considéré que le peuple n'a plus droit de cité. C'est le pouvoir qui donne des sièges, donc il faut faire preuve de bonne conduite à l'égard de ce pouvoir. Restez avec nous, Karim Tabou, je reviens. Qu'il soit
Je reviens à vous dans un moment. J'essaye un peu de répartir le temps d'intervention. Azdin Zalani, devant de tels scandales, c'est énormissime, hein, ce n'est pas peu de choses, des gens qui sont pris dans la main dans le sac, au plus haut niveau, le fils du secrétaire général du FLN, qui n'a aucune fonction au FLN, qui y possède un bureau, qui reçoit des candidats, chez lequel on a trouvé 52 listes, 52 dossiers d'élection. On a trouvé plusieurs milliards de centimes, des centaines de milliers en euros. Ça veut dire que ça a été constaté par les services de sécurité. Une députée qui est en même temps membre du bureau politique qui a été prise la main dans le sac avec forte somme d'argent dans son bureau qui se trouve au siège FLN de Hydra. Un mort à Tiaret, plusieurs blessés à la suite d'échauffourées parce qu'on n'avait pas accepté le parachutage de quelqu'un. Un peu partout dans le pays, c'est un vent de fronde qui souffle au FLN. Des listes qui se vendent aux enchères publiques quasiment. Et il n'y a pas de recours juridique possible dans ce genre de situation ? Par qui ? Par qui, justement, je pose la question. On assiste depuis plusieurs années. Déjà, l'Algérie, depuis très longtemps, depuis l'indépendance, ne peut pas être considérée comme un état de droit. Cependant, après des luttes, et après des temps, et après un certain nombre de... Il y a eu quelques institutions qui se sont créées, comme le Conseil constitutionnel, un Conseil d'État, qui contrôle la légalité du pouvoir réglementaire et qui contrôle un certain nombre d'autres activités administratives. Nous avons l'AIS, la haute instance de surveillance des élections. Voilà, des hautes instances de ceci, de cela, de l'audiovisuel, le autre, etc. Et tout. Mais le système tel qu'il est en train d'aggraver la situation du pays. Auparavant, on disait que la situation du pays est très grave et il nous faut des institutions solide pour pouvoir maintenir le pays en état. Maintenant, c'est quasiment l'inverse. C'est les institutions du pays qui sont dans un état très très grave et le pays est en danger d'être entraîné vers le fond par la faute de ses propres institutions ou par l'absence d'institutions d'elles-mêmes. Que peut-on parler d'institutions qui sont fictives ? Même si elles ont une réalité réglementaire ou légale ou qui se trouvent, qui ont des immeubles ou qui ont des personnalités ou des membres, quand leur fonction n'est plus, y compris par leurs propres membres, quand on voit la judicature, le système judiciaire, quand on voit quelques juges, quelques magistrats qui dénoncent ce qui se passe dans leur institution, quand on voit un peu partout, mais pas bien entendu officiellement, mais la population s'exprime, à tous les niveaux, y compris au point de vue au niveau gouvernemental, pas publiquement, mais on peut rencontrer des ministres qui disent nous sommes dans cette situation totalement impossible. Des ministres du gouvernement, on peut en citer un jour, mais ce n'est pas le plus important. C'est le cas du ministre du Commerce qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, qui a donc dénoncé des faits absolument hallucinants. Voilà, donc des ministres ils le disent, ils disent nous n'avons plus de pouvoir, nous n'avons plus de situation, ils le disent dans des cercles et des milieux fermés. Maintenant, toute la population le sait, la population se désengage apparemment, mais que peut-elle faire autrement ? La question est, pour revenir un petit peu au sujet, pour ne pas... Cette année, ces élections-là, oui. Et les partis qui y participent, à mon humble avis, je ne suis pas un habitué des boycotts ou des appels au boycott. J'ai toujours pensé qu'une participation politique vaut mieux qu'une abstention. Mais dans le même cadre... si les jeux sont faits d'avance En l'occurrence, mais je vous suis de vous détourner de ce que vous voulez dire, mais j'espère que vous allez y revenir. En l'occurrence, personne ne doute que le RND et le FLN, à eux seuls, auront une majorité absolue. C'est totalement exclu de penser l'inverse. C'est la question qui se pose. D'abord, il y a ça. Oui. En plus de leur parti satellite, de leur parti des épiceries politiques, de leurs indépendants qu'ils installent, ça veut dire qu'ils vont avoir un minimum de 80 à 90%. Et le reste ira à de vrais opposants, soi-disant, pour faire le cirque, justement, pour porter des banderoles, pour faire semblant de dénoncer et pour permettre au régime de dire « Vous voyez que notre Parlement, il y a des troubles faits, il y a des gens qui ne votent pas, il y a des gens qui manifestent, qui donnent des coups de poing, qui ruent dans les brancards. » Mais envers qui ? Les jeux sont faits, en fait. Envers qui ? Envers l'opinion internationale, comme ça se faisait auparavant ? L'opinion internationale n'y croit plus, sauf ceux qui sont, j'allais dire, très intéressés à la situation de stagnation que vit le pays, ou d'affaiblissement, ou de...
d'effondrement que vit le pays à tout point de vue politique, économique et autre et social. Mmh. Donc, vis-à-vis de l'opinion interne, les gens, la population dans sa majorité... C'est un secret de Polichinelle. Ça n'intéresse plus. Maintenant, la question qui se pose, y a-t-il encore une classe politique ? Politiquement parlant, que vient de dire Tabou. Et moi, exactement, ouais. Je le rejoins. Y a-t-il encore une classe politique ? Je pense, moi, qui ne suis pas un politique dans le sens de l'activisme, mais je suis comme tout Algérien aimant sa patrie ou qui s'est engagé à un moment donné sur des questions fondamentales, je dis bien fondamentales, et ça nous concerne tous. On fait un constat, je peux me tromper, mais le constat que je fais personnellement, c'est qu'il n'y a plus d'instance, d'opposition qui puisse mériter ce terme. Ou celle qui est en train de s'activer. Je parle de celle qui participe. Et celle qui s'active n'arrive pas à fédérer autour d'elle. Celle qui s'active, vous parlez du FLN, par exemple, du ceux RND. Qui sont avec nous aujourd'hui. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui, Karim Tabou, Salah Dabouz, Sofiane Gilali, Ali Benouari, sont des chefs de parti ou des personnalités de la société civile qui s'organisent pour lancer des mots d'ordre de boycott et non pas d'abstention, mais qui ne sont pas suivis. Et là est la grande question. Pourquoi ? Je pense que la situation, la classe politique dans son ensemble, oui. Y compris ceux qui ont pris ces positions courageuses et qui les honorent pour l'histoire, oui. Parce qu'ils n'ont pas voulu participer à cette mascarade, c'est une mascarade. Oui, il y a une 60 c'est le mot qu'ils ont utilisé d'ailleurs dans leur communiqué. C'est une mascarade. Ils ont dit non, on ne participe pas. Mmh. Malheureusement, ça n'augmente pas. Leur force au point de vue du public, au point de vue des citoyens, parce que les citoyens regardent l'ensemble de la classe politique, sont différenciés tel ou tel, tous pourris. Comme étant tous pourris. Pourris ou en tout cas inentreprenantes. Bien entendu, nous qui suivons peut-être un peu plus de près, nous saluons la position courageuse de certaines personnalités politiques qui sauvent l'honneur, ou de certains partis politiques qui sauvent l'honneur de l'Algérie en disant c'est une mascarade. Arrêtons les mascarades. Notre pays est en danger. Et il ne s'agit pas simplement de dénoncer une fraude habituelle ou annoncée. Mmh. Il s'agit d'attirer l'attention sur le danger. Absolument. Que vit le pays. En la limite, les gens ne s'intéressent pas beaucoup à la carrière politique de certains milliardaires ou autres, ou de ceux qui veulent s'acheter des immunités parlementaires dans un Parlement qui n'a déjà très peu de pouvoir et qui n'utilise même pas les petits. Vous êtes généreux quand vous dites très peu de pouvoir. Pourquoi ne pas dire pas de pouvoir du tout ? C'est le cas. Vous savez, la Constitution est passée du pouvoir législatif à la fonction législative, comme à l'époque de... Dans les faits, nous savons que le Parlement algérien ne sert que de chambre d'enregistrement, de gens qui sont là pour lever la main quand on leur dit de lever la main, et que toutes les lois qu'on leur dit de faire passer, ils les font passer. Ils les font, on connaît tous les uns les autres comment sont certains députés, y compris certains qui ont... Zama. Veulent un petit peu, ils veulent bouger, ils veulent ceci. Le système est complètement fermé. Absolument. Aucune initiative des lois de la part du Parlement, aucune. Absolument. Et ratification de tout ce qui vient du gouvernement. Ouais. Et encore faut-il qu'ils aient la commission juridique ou autre, etc., les compétences nécessaires pour discuter ces lois-là. Donc le Parlement est totalement... Inopérant. Pour le moins. Salah Dabouz. Salah Dabouz, vous êtes avec nous. Salah Dabouz, expliquez-nous quelque chose. Normalement, en l'état des choses, c'est d'ailleurs le titre de notre émission d'aujourd'hui, « Boycotteurs comme des poissons dans l'eau », point d'interrogation. Normalement, avoir l'état, l'ambiance d'abstention générale qui s'annonce, massive, reconnue et crainte, appréhendée, y compris par le régime lui-même, qui s'y attend. Tout le monde s'attend à ce que ce soit la plus forte abstention électorale jamais observée depuis l'indépendance. Tout le monde s'y attend. Alors normalement, vous qui êtes dans cette dynamique de boycott, d'appel au boycott, comment se fait-il que vous soyez là, à prêcher dans le désert, sans presque personne autour de vous, avec une opinion publique complètement débranchée, qui ne vous écoute même pas ?
écoutez, d'abord, il faut savoir si on va discuter des causes ou des conséquences. Moi, je préfère aller dans les causes, parce que si on parle des conséquences, il n'y a pas de classe politique, il y a une démobilisation générale, il y a une société civile qui ne répond pas du tout, chacun s'occupe de ses petites affaires, etc. Ça, ce sont des conséquences. Les causes de cette situation, c'est ça qui m'intéresse, moi. Alors, les causes de cette situation, c'est une mauvaise gestion des affaires du pays. Je regrette de dire chaque fois depuis 1962. Maintenant, on a ce statu quo. Salah Dembouz, je me permets de vous interrompre. Nous allons vous reprendre par la communication. La communication est mauvaise. Nous allons vous rappeler tout de suite. Karim Tabou, vous êtes avec nous. Oui. Alors, j'aimerais que vous répondiez à la question que je viens de poser à Salah Dembouz et que tout le monde se pose. En ces temps où, où l'abstention, du moins, où l'indifférence quasi totale, massive des électeurs pour ces élections sont un fait patent, pourtant vous êtes seul, personne ne se fédère autour de vous. Comment expliquez-vous cette indifférence pour vos appels? En fait, cette élection, elle a acté quelque chose d'important pour l'avenir, parce que nous devons nous engager dans l'avenir. Il a acté deux consensus majeurs. Le premier consensus, c'est le consensus populaire. Aujourd'hui, il y a peu d'Algériens qui montrent un quelconque intérêt, engouement à cette élection. Et vous interrogez qui vous voulez, vous avez une déclinaison d'une analyse juste, parfaite de la situation. Et le deuxième consensus, je pense qu'il a le mérite d'exister et il va servir de base quand même de travail à l'avenir, c'est ce consensus, entre guillemets, de la classe politique qui a décidé d'aller à contresens de la population. Et ce divorce et cette, j'allais dire, cette distance, jamais elle n'a eu un sens politique. Parce que par le passé, on était engagé dans des interprétations parfois erronées. Pourquoi les gens ne se mobilisent pas? Pourquoi les gens ne sont pas dans la rue? Pourquoi les gens ne contestent pas? Il y a plusieurs raisons objectives, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs opinions qui ont été exprimées dans ce domaine. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour historique. Et aujourd'hui, le choix des personnalités qui ont décidé de boycotter, je pense qu'ils n'ont pas ni l'ambition de mobiliser les grandes foules, mais elles ont pris acte avec l'histoire en se ralliant d'une manière politique, humble et modeste à la vie générale de la population. Parce qu'aujourd'hui, prendre la direction de la population est un choix politique que beaucoup de gens ne veulent pas prendre parce qu'ils ont pris le chemin vers le pouvoir. Le pouvoir donne des avantages matériels, le pouvoir donne des tribunes, le pouvoir donne des sièges, le pouvoir donne des surfaces. Et à mon avis, cette étape charnière dans la vie politique nationale va certainement exiger de nous quand s'émancipe d'une classe politique finalement qui est devenue l'objectif du régime. Karim Tabou, excusez-moi. À part d'acter donc cette attitude de marquer donc cette étape cruciale par cet engagement, cet appel au boycott, cette attitude quasiment opposée aux menées de ce régime. À part cela, qu'est-ce que vous envisagez de faire de réellement concret pour essayer de vous impliquer réellement sur le terrain et dans la rue? Non, c'est sûr que l'action du terrain est essentielle. Aujourd'hui, sans des actions du terrain, de mobilisation, d'explication de la population, rien ne peut avoir du poids, rien ne peut avoir de l'impact sur la scène politique. Mais bien sûr qu'il y a à long terme, un besoin sérieux d'un renouveau politique. Et ce renouveau politique doit passer par, une mise à nu de toute cette classe politique. Et finalement, j'ai écouté les gens dire voilà l'opposition. Mais en fait, y a-t-il une opposition? Comment on peut définir un parti
c'est un parti d'opposition. Il s'oppose à quoi? Il fait l'opposition dans quelle structure? Si nous allons faire le débat d'une classe politique de l'opposition qui essaye de contester au sein des institutions que le pouvoir met en place et leur donne comme surface d'existence, à ce moment-là, on se trompe de démarche et on se trompe de perspective. Aujourd'hui, la perspective historique qui se pose à nous, c'est tout simplement s'investir au sein de la population. C'est une mission difficile. Il n'est pas impossible, mais certainement aujourd'hui, partir à la rencontre de la population, c'est se préparer à essuyer des critiques, des reproches, des mises en garde, etc. Et puis c'est ça la fonction d'un homme politique ou d'un parti politique. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à Salah Dabouz en espérant que la communication est meilleure. Salah Dabouz ? Oui. Alors, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Donc pour moi, je préfère aller dans les causes plutôt que d'aller dans les conséquences, puisque nous avons cette démobilisation générale, cette classe politique entre guillemets qui est constituée dans une grande partie par des opportunistes et par des gens qui n'ont peut-être même pas un niveau politique, ni niveau d'instruction, ni niveau politique, qui sont là pour faire de la figuration, pour justifier juste le remplissage de certaines institutions. Ça, c'est une conséquence. Maintenant, les causes elles sont claires. Ce que fait ce groupe dont j'en fais partie, c'est d'essayer de mobiliser pour déclencher un processus ou continuer le processus qui a été déclenché à Zeralda en 2014, pour aller vers un changement vers un système démocratique. On avait fixé à Zeralda de 2014, on avait fixé le minimum, c'est une séparation des pouvoirs. Oui, mais Salah Dabouz, il n'y a pas de répondant. Salah Dabouz, j'entends bien ce que vous me dites, mais malheureusement, du côté de l'opinion publique, alors que normalement, ça devrait se prêter, puisque tout le monde veut s'abstenir, au moins, si ce n'est boycotter. Et alors que dans les réseaux sociaux, c'est réellement la frénésie de gens qui appellent au boycott. Et pourtant, vous êtes seul, vous n'arrivez pas à créer une sorte de synergie autour de vous, autour de votre action, de votre appel. Il y a un effort très très soutenu par les institutions qui sont normalement là pour servir le peuple, qui développent une énergie extraordinaire pour démobiliser tout le monde. C'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de mobilisation parce qu'il y a un effort de démobilisation. Dans l'effort de démobilisation, il y a cette peur, on sème la peur au sein des gens, on leur fait peur. On leur dit que tout changement peut aller vers une catastrophe, que les gens de l'opposition, ou les gens qui sont dans le contre-pouvoir, comme c'est le cas de la BDF, ou les gens qui ne sont même pas d'accord, ils ne sont ni dans l'opposition ni dans le contre-pouvoir, ils sont simplement en désaccord avec ce qui se passe, tout de suite ils sont étiquetés, si ce n'est pas des saboteurs, c'est la main étrangère, c'est n'importe quoi. Donc. Et ça, moi je dis, je le soutiens très fort, c'est essentiellement le travail des services de renseignement. Au lieu que ces services s'occupent de la sécurité du pays, elles s'occupent à espionner les gens et à propager des ishaat, comme on dit, des rumeurs. Des rumeurs sur le compte de gens qui veulent seulement réparer certaines choses ou initier une dynamique qui donnerait naissance à un système politique authentique qui convient aux Algériens et qui convient restez aux avec aspirations nous. Des Algériens. Donc cette énergie-là, elle fait ses effets, bien sûr. Et le reste, nous, on est dans la résistance. Et la résistance peut diminuer, ça peut grandir comme ça peut se rétrécir selon l'effort développé de notre côté. Restez avec nous, Salah Dabouz. Je reviens. On est toujours là. Je reviens à vous dans un moment. Asdine Zahlani, d'un côté, il y a un régime qui a réellement fait main basse, comme vous disiez tout à l'heure, sur toutes les institutions, qui
quasiment le seul à décider de tout, derrière des façades en trompe-l'œil. De l'autre côté, il y a donc une opposition vraie qui essaie de bouger réellement, qui s'engage réellement sur le terrain, mais qui est seule, qui est dans une grande solitude. Et il y a une opposition, ou pseudo-opposition, qui est là, qui se bouscule. Une fonction participative. Voilà, au portillon. Je vais vous donner deux exemples. Donc, qui attendent qu'on leur donne leur quota d'élection. Par exemple, le parti RCD, il n'y a pas longtemps, son secrétaire général s'est exprimé pour nous dire que le président va très bien et que jamais chef d'État en Algérie n'a autant été impliqué dans l'action politique que le président de Bouteflika depuis 2014. Il l'a dit. De l'autre côté, le dirigeant principal du HEMS, d'MSP, a dit « Nous, l'abstention nous arrange. Nous, on aimerait bien que c'est dit abstention. » C'est-à-dire que c'est complètement hallucinant. Il l'a dit comme ça, publiquement. Et donc, finalement, est-ce qu'ils vont s'en tirer comme ça, ces partis d'opposition? Est-ce que cela ne risque pas de sonner le glas de leur action, de leur présence sur le terrain? Oui, c'est quelque part cela qui devrait normalement être constaté. S'il doit y avoir un huissier ou un médecin pour pouvoir voir le corps politique algérien, je crois que c'est le constat qui devrait... Une autopsie. Sans autopsie, constaterait a priori la mort clinique de l'action politique dans son ensemble, qu'elle soit institutionnelle ou qu'elle soit liée aux partis politiques ou aux personnalités politiques. Vous avez cité une ou deux personnalités politiques. Entre autres, mais ils sont tous dans cette démarche. On peut citer même des amis, mais à qui on peut ne pas être d'accord politiquement, qui ont participé à des élections présidentielles, les légitimant, sans la présence du principal intéressé, en l'occurrence le président de la République, sans sa présence physique. Absolument. On ne peut voir dans cette participation d'une des personnalités politiques algériennes à ces élections qu'une fonction légitimante. Absolument. De ces élections-là. Vous pensez à quelqu'un en particulier? Je pense à M. Benflis. D'accord. Qui est une personnalité respectée, comme toutes les personnalités algériennes d'ailleurs, mais qui s'en va participer à une élection contre un président absent. Qui ne fait même pas sa campagne électorale. Qui ne fait pas sa campagne électorale. Et malgré les alertes de ses amis, en lui disant « mais tu vas où ?» C'est clair, si le président se présente, il gagnera ces élections. Parce qu'on ne va pas le faire perdre, c'est une évidence. On ne prend pas un tel risque de présenter un cadavre si, pour finalement le faire échouer. Si on veut faire échouer le président, si on veut le faire perdre... On n'a pas besoin de l'humilier. Absolument. Ça n'existe pas. Oui. Des décideurs, si on a la possibilité, si on a le pouvoir, en supposant qu'il y ait des décideurs, donc d'écarter le président de la République pour un certain nombre de considérations, ils n'ont pas besoin de l'humilier pour le faire passer aux élections. Donc, s'il se présente, il est élu avant. J'ai appelé M. Benflis le 22-23 février, je crois, 2-3 jours avant, lui disant, il va... je lui ai transmis à l'SMS, au fait, que j'avais transmis. En lui disant, monsieur Benflis, je viens d'avoir l'information que le président de la République va annoncer sa candidature dans les 2-3 jours. Et donc, la vôtre... Elle est caduque, d'ores et déjà. Eh bien, il s'est présenté. Bien. C'est son choix, on peut que le respecter. Après les élections, vous savez qu'est-ce qui s'est produit, livre blanc, pas livre blanc, etc. Et puis, M. Benflis, qui est une forte personnalité, qui est un homme considéré comme honnête, et qui a drainé un certain nombre de foules, d'enthousiasme, de même d'espérance, pour certains, décide de créer un parti politique. Talaya al-Hurriyat. Une année avant les élections législatives, au moins. Une sorte de front. Un front... Une sorte de conglomérat. Voilà. De plusieurs... il a considéré que son élection a créé un appel d'air, un élan populaire, et qu'il peut-être il fallait fructifier. Je n'ai pas eu de correspondance avec lui pour savoir quelles sont les intentions, quelles sont. Parce que beaucoup de personnalités, telles M. Hamroche, telles M. Sifi, etc., n'ont pas voulu créer de parti politique. À l'instar de M. Talbi Ibrahimi, qui.
M. Belfils est parti créer un parti politique. Mais pourquoi donc ne pas participer aux élections? Il ne participe pas, mais il n'appelle pas au boycott. Oui, mais déjà, pourquoi ne participer? Avoir créé un parti politique, maintenant, sachant que peut-être si les échéances sont respectées, la prochaine législature, c'est dans 5 ans. Oui. Et qu'une partie des personnes qui sont venues le voir veulent, très légitimement, avoir un siège, avoir une vie politique, avoir une représentation, qu'elle soit locale ou dans les assemblées de Wilaya ou à l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait légitime. Et il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé à quitter. Ça ne sert à rien. Oui, mais peut-être qu'il a eu l'honnêteté de dire « je ne veux pas de quota ». Et comme il sait que ça va être une histoire de quota, peut-être qu'il a eu le scrupule de dire « non, là, c'est trop bas, je n'irai pas ». Peut-être. C'est-à-dire que M. Benflis a pu penser au quota que l'année dernière ? Il ne connaissait pas la situation politique ? Il n'est pas interdit d'avoir de la conscience un jour ou l'autre. Donnons-lui le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Voilà. Le bénéfice du doute. Bien. Ce que je voulais dire, c'est les autres partis, est-ce que cet engagement de leur part, ou plutôt ce non-engagement, cette soumission non dite, y compris des plus grands partis de l'opposition, qui donc se rangent dans les brancards pour attendre leur pâté, leur part, est-ce qu'ils ne seront pas condamnés par l'histoire? Est-ce que nous pourrons dire à l'avenir que nous avons des partis d'opposition? Moi, je pense qu'ils ont une fonction. C'est une fonction que le pouvoir voudrait être légitimante. Le pouvoir a apparemment bien compris qu'il y a un déficit alarmant de légitimité. L'assemblage disparate de tous ces partis, d'une soixantaine de partis, pour assister à cette kermesse électorale avec distribution plus tard de quelques quotas, on a vu des personnalités comme celle du Parti des Travailleurs, oui, il n'y a pas longtemps, qui s'est mis sur un terrain qui n'est pas le sien non plus. Donc, peut-être ces partis, mais je ne veux pas parler au nom de ces partis. Ce que je peux simplement dire, à mon avis, c'est que la fonction légitimante arrange le pouvoir. Légitimante comment? C'est-à-dire que le pouvoir a besoin d'une participation factice. Voilà. De manière de dire une sorte de caution. Une sorte de caution. De la part d'opposants. Voilà, y compris les opposants ont participé, etc. Et tout cela, c'est un jeu bien connu. Ceux qui ont participé, je pense que ce n'est pas à leur honneur, tout en respectant... Et ça va marcher. Et ça va marcher, cette histoire. Ils vont vraiment pouvoir cautionner ce régime. Ces élections vont-elles passer comme une lettre à la poste? S'il n'y a pas d'ici là un événement d'importance nationale, ça va marcher. Ça veut dire que ça va marcher dans le mauvais sens. Ça va marcher dans le mauvais sens. Mais il n'y a plus d'argent. Parce que, je vous rappelle, le dernier Parlement, celui de 2012, selon les chiffres du régime, il était d'environ 30%. 34%. Selon les vrais chiffres que tout le monde connaît, il n'a pas dépassé les 20%. Pourtant, ça a marché. Le Parlement a fait sa législature normalement, sa mandature normalement, et ça s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'argent pour graisser la machine. Or, cette fois-ci, il n'y a plus d'argent. Et ce Parlement, s'il est élu, sera élu très, très faiblement. Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir marcher quand même avec moi, toutes ces cautions de partir? Au-delà de ce qu'on est en train, des mascarades qu'on est en train d'assister et qui font dégoûter une partie de la population, particulièrement les honnêtes personnes, et particulièrement ceux qui ont cru à notre pays et qui se voient actuellement dans une situation de paralysie totale, on va dans leur pays partir devant nos yeux et ça nous fait mal. Moi, je propose de faire un appel à toutes les personnalités politiques ou non politiques algériennes, toutes les personnalités nationales, de quel bord qu'elles soient, et qui se situent actuellement en retrait, tout en observant, tout en ayant mal au cœur pour leur pays, pour leur patrie, et qui savent, qui sentent que le pays va mal, pour qu'ils puissent trouver un moyen. Je lance donc un appel pour qu'ils s'organisent, pour qu'ils se rassemblent, au-delà de leur... chapelle politique ou de leur conviction politique. Je ne fais pas d'appel aux partis politiques, je fais appel aux citoyens
quelles que soient leurs convictions. Et si je veux être clair, des islamistes ou non-islamistes, des démocrates ou de monarchistes, qu'importe, que les Algériens patriotes qui aiment ce pays essayent de trouver des moyens pour se rassembler, pour exprimer leur voix. Merci. Restez avec nous, il ne reste plus beaucoup de temps. Je vais donc... Karim Tabou, on essaie de le retrouver pour lui donner le mot de la fin. Salah Dabouz, vous êtes avec nous? Oui. Salah Dabouz, en très peu de mots, nous arrivons à la fin de l'émission. Un appel, peut-être. Pour moi, c'est un problème de mauvais fonctionnement de tout un système qu'il faut changer, c'est tout. On ne va pas trop philosopher sur la question. Tant qu'on n'est pas dans un système où il y a séparation, ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas de n'importe quoi. Il faut une séparation de pouvoir telle que aujourd'hui nous avons un conseil constitutionnel et toutes les autres institutions qui sont, ce n'est pas la vacance de la présidence, c'est la vacance de toutes les institutions. Un conseil constitutionnel qui ne fonctionne pas, il est en vacances. Donc, tout ne fonctionne pas. Nous avons une forme d'institution, mais au fond, il n'y a rien du tout. Il faut refaire, il faut reconstruire tout ça. Merci, Salah Dabouz. J'aurais voulu donner le mot de la fin à Karim Tabou. Il n'est malheureusement pas avec nous. Nous l'avons perdu. Azdine Zalani, en moins d'une minute, pour vous laisser finir, vous lanciez un appel, non pas à la classe politique, mais aux citoyens. Oui, si vous voulez que je reprenne mon appel de cœur, c'est un appel du cœur, ce n'est pas un appel politique ou partisan. Je dis simplement, nous Algériens, nous tous Algériens, devant la situation de décadence, de destruction, d'autodestruction qu'on est en train de se... Et dans tous les domaines, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient culturels, qu'ils soient moraux, devant toutes ces crises, au-delà des crises institutionnelles et politiques et partisanes, je fais un appel... aux Algériens et aux Algériennes, je sais qu'il y en a et qui se taisent, et parce que les voies sont fermées, d'essayer de trouver moyen de se regrouper au-delà des partis politiques ou partisans qui viennent démontrer actuellement leur désuétude comme celle d'ailleurs de celles des institutions qui restent. Donc je fais un appel aux citoyens de trouver le moyen pour se rassembler, pour pouvoir faire écouter leur voix. Merci Azdine Zalani, merci Karim Tabou, merci Salah Dabouz, merci à vous, chers amis téléspectateurs. Khawal Akhir, salam.